me dit quelque chose ce blaze là, Daimao. FU toi, FU Morph. Écoute, rattrape-moi déjà, puis après on en reparlera. Ces vacances furent excellentes, mon cher film. Je me suis régalé, on était en bord de mer, puis en même temps à la fois à la montagne. C'était top top. Donc voilà, ma fille a pu profiter de la mer un petit peu, de la piscine, de la randonnée. Oh, c'était cool. Ok, j'arrive. Merde, il est sur une bonne phase, le salaud. J'ai pas vu si tu jouais toujours ton druide morph d'ailleurs. En 4, ok. Oh, on a battu Quetzalcoatl, dis donc. Pour l'instant, il arrivera certainement légende avant nous, mais. Ah, le salaud. Tout est moche. Allez, on trade le spell power. On a un brawl, c'est cool. Une exec, c'est pas mal. Ouais. Putain, encore un qui a une sacrée main. Change pas de main, t'as une sacrée main. Tous les soirs, donc ça c'était cool. Quand j'aurai fini ma dernière aile, je vais te dépasser. Putain, c'est la course. T'en as pas marre d'avoir le bon totem, toi? Même si c'est la première fois, je vais pas brûler un truc pareil. Par contre, je vais revenge un truc pareil. Ouais, je vais revenge ou pas. Hein. Il a que 3 dégâts sur le board. J'ai pas très envie de claquer mon shield block parce que s'il claque une 5-5, j'ai envie de l'avoir sous le coude avec le shield slam. Il a 6 dégâts quand même sur le board, il me mettra à 14. Ah, va Fanculo. Tu vas pas me mettre à 14, poteau. No way. Profiter d'une randonnée, pas possible. Oh, qu'est-ce que tu racontes, Viking? C'est parce que t'as 15 ans que tu dis des conneries. Je sais pas ce que c'est qu'une bonne randonnée. Lui, il est. Voilà, c'est le genre de chaman qui joue bien parce qu'il veut bite un brawl en jouant des cartes de merde. Donc on va tâcher de lui faire croire qu'on n'a pas le brawl, justement. Sur un malentendu, ça peut passer. Putain, il a rechargé cette connerie. Je vais quand même pas shield slam cette merde. Prochain tour, je l'ai. Ouais, ça va. Non, ça va. Donc là, c'est un petit peu le combat psychologique. Lui, il est rang 1, il est pas rang 1 pour rien. Il joue pas trop mal. Il garde de la réserve, il met pas toutes ses forces dans la bataille. Il met un maximum de totems pour me faire croire qu'il a de la présence sur le board et pour bite le brawl. Ah, ouais, quoi qu'il joue Bloodlust hein, dans cette liste des fois. Il ne joue pas tous, mais lui il joue un deck qui a l'air d'être aggro, donc je pense qu'il a Bloodlust. Donc on va peut-être pas faire le malin quand même. Oli qui joue Yogg. Mais oui, Finn, j'ai vendu mon âme. Mais au final, bon. C'est comme si je l'avais pas dans le deck. Je le joue le moins possible, parce que j'aime pas en fait. Ça m'insupporte profondément, donc je le joue le minimum. Mais je le joue, hein. Mais le minimum. Mais je le joue. Ah, oh, c'est intéressant quand même, un petit acolyte ici. Passage légende 45%. What? Game to rank 5. ...114 000 games pour passer légende avec 45% de win rate. Bon, je pense qu'on va. Je pense qu'on va shield slam. Hein. J'ai pas envie de go roll et tout ça. Shield slam ça, on va poser ça. On a Yogg avec 6 spells, c'est pas dégueulasse.
S'il y a des chances qu'on joue dans cette game par contre, hein, je vais pas vous mentir. Le mec il joue bien, je pense que je vais être obligé de claquer ma deuxième brawl dans pas longtemps. Et donc après, il n'y a plus que Yogg pour me sauver. Ah si, j'en ai fait une de 6 heures, ça m'a dégoûté des randos. Mais non, 6 heures c'est très bien. Bon, moi je portais ma fille, donc je fais pas de rando de 6 heures, mais on a randonné 3 heures, je pense. C'était cool. On va sortir Justicar comme ça, ça ce sera fait. Voilà. Il sort aucune de ces grosses cartes. There is a lot at stake here. Oui, du coup, j'ai pas regardé tes autres stats, Guigui. Mais c'est effectivement, elle pourrait être intéressante. Avec 55%, il te faut 227 games seulement. Bon. Il joue vraiment bien. Hein. J'aime bien sa façon de jouer. Il a 4 totems sur le board et il me pousse quand même à jouer mon brawl. Ah, le salopard, ok. On va se faire ça plutôt. Très bien. Très bien. Techniquement, c'est possible si tu passeras en 5 full win streak. Ah oui, mais non. C'est. Là, il parle de 114 000 games. Donc. Mais il faut voir comment. Donc contre les chamans qui jouent bien, et lui il en fait partie, en général ça se termine à la fatigue. Parce qu'il va jouer carte par carte. Quoique les deux brawls sont passés, ouais. Ouais. Comment j'ai envie de la jouer celle-ci? Je vais le trade de toute façon. J'ai pas besoin de m'emmerder vraiment. On va remonter. Et je vais pas l'enrager. Il a pas claqué un ex encore. Oh. Il garde ses ex pour quoi? Pour Sylvanas? Pour Yogg peut-être? Je sais pas. C'est rare les chamans quoi? T'as vendu ton âme. C'est fini le druide tout bizarroïde là. Je l'ai joué une session ton druide. Il m'a fait mal à la tête, ça m'a saoulé. Extension selon moi devrait être en décembre puisqu'il y en a 3 par an, il y en a que 2 qui sont sortis, donc la troisième je pense qu'elle sera en décembre, et du coup mon roche noir, League of Explorers et le grand tournoi vont sortir toutes les 3 qui m'intéressent pas, voilà le su, on va laisser vivre sa vie. Fallait armor up au lieu de maîtrise, à mon avis tu as perdu 4 armures. Il fallait armor up au lieu de maîtrise. Oui, tu as sans doute raison. Je suis d'accord avec toi. Mais il va nous extra 5-5. Ouais, bof, ça me paraît pas top. Ah, j'ai claqué, ouais, je sais pas si j'ai bien fait de claquer ça parce que du coup j'ai plus qu'un seul proc pour mon execute et la deuxième execute, bon, j'ai mon arme au pire. Ouais. Si, si, ça sort, LOE, je vous confirme. Je vous confirme que malheureusement League of Explorers sort en même temps que les deux autres. On a encore une revenge dans le deck. Je vais plutôt aller la chercher. Je pense que c'est trop tôt pour jouer Yogg. Thank you.
Là, c'est en mode YOLO, je chope la revenge prochain tour. Non, non, LOE ne sort pas en 2018. Je te confirme, Viking. C'est triste, mais c'est la vérité. Je pensais aussi que Clorura disait une connerie, comme souvent, la dernière fois, mais non, malheureusement, il a raison. Mais ça va faire mal. Ça va faire mal, t'imagines? Les dragons qui se barrent, Finlay qui se barre, Justicar va se barrer aussi, alors ça c'est tragique. C'est bien, j'ai les deux execs, j'ai plus de proc à exec. Du coup je vais pas piocher. Et je pense qu'il a pas de maveur. That belongs in a museum. 5 cartes il lui reste. Thing from below. Deuxième Azure Drake. Deuxième Tempête. Deuxième Flame Tongue. Deuxième Tuskar. Ah mais ça voudrait dire qu'il joue pas les Fire Elemental. Non, c'est pas possible. Non, alors du coup, il a fait des trous dans sa decklist là. Pour faire entrer les Argent Squire. Il joue qu'une Tempête, j'imagine. Ça doit être ça. Il a le Bloodlust aussi qui traîne certainement. Oh la vache. Oui, c'est deux extensions et une aventure par an. Ouais. Elise, c'est plus trop joué en ce moment, on pourra toujours faire sans Justica. Ah, oui, on pourra toujours faire sans, mais bon, ça fait chic que des cartes comme ça sortent. Moi, j'aurais bien aimé que ces cartes-là rejoignent le mode standard, quoi. Enfin, rejoignent les cartes communes. Il lui reste 5 cartes. Je pense que 14 sorts. Il y a moyen de faire tout et n'importe quoi ici. Mais il y a moyen de voler la game. Ah merde. Cool. Ok. Ah non. Ok. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Bon, c'est un joli Yogg. Il va être obligé de claquer une ex dessus, la voilà, qui traîne depuis le tour 7, non? Ah oh, putain, quand t'as plus de spell power, t'en as encore. Combien il te reste? 3 cartes, aïe 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 aïe. Ah, le voilà le ex, il est parti. Ok. Tu sais que tu vas manger ta revenge, poteau. Bim. Ça fait mal ça. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Oh oui, c'est bien ça. On a eu l'upgrade. J'aime. On a déjà pioché. Ouh, c'est bon ça. Toi tu dégages. Toi tu dégages. Ah, au secours, au secours, au secours. Je vais faire une connerie. Bon, c'est pas le moment. J'ai des bons procs à exec là. Il va me claquer des bonnes cartes. Bon, ça, c'est une belle game. Hein. C'est long, mais... Ah, les voilà les Fire. C'était obligé qu'il les joue. Explore that, my god. Pourquoi je lui ai donné une merde comme ça? Il lui reste du lourd. Hein. The Thing from Below, le deuxième est Fire Elemental. Il va les jouer un par un.
coup je vais faire ça. Faire ça. I have no time for games. Non, qu'il a pas de Bloodlust. Bloodlust c'est dans les trucs plus aggro. Deuxième ex. Ah putain. Ah ouais, c'était sûr. C'était sûr. Et là il va nous jouer la. Ah ouais, bien sûr. Il lui reste un Flame Tongue. C'est quoi l'autre? C'est un Mana Tide? Ce serait drôle. Allez, je suis un ouf. Ok. Cool. Qu'est-ce que t'as? Oh, le flame tongue, putain. J'aurais dû pouvoir. Je savais, en fait, je savais qu'il avait le flame tongue et j'ai pas. Bon, je voulais deux légendaires aussi, il faut dire. Oh, mais oui! C'est vrai, j'aurais dû taper avant. J'en ai rien à branler, j'ai l'état le prochain tour. Oh, c'était dur. What? Oh putain, je l'avais zappé ça. Ah, le salaud. Ah, ça joue bien, c'est cool. Ouais, il lui reste le Mana Tide dans ma main. Salut Otsuna, comment ça va? Il prend combien de dégâts lui le prochain coup? Il en prend 3. Ouais, bah écoute, on va l'obliger à trade. Hein. Il est en train de compter pour voir s'il gagne la fatigue, mais non. Ça va tranquille. Bon, j'ai vu que t'étais rang 1 tout à l'heure. T'as réussi à passer les jambes ou pas? Et ben voilà. Voilà ce que c'est qu'un bon joueur de chaman.